Alors aujourd'hui, ça va invoquer très très fort. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo invocation sur Dragon Ball Legends. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne journée. Ouais, on va invoquer pour ce monsieur aujourd'hui, avec son fameux point du dragon, mon gars. T'inquiète même pas, le Goku SSJ3 sur DB Legends, de type vert. Encore un Goku SSJ3 de type vert, d'ailleurs, c'est assez étrange. Avec quasi la même animation, voilà, au niveau du fameux point du dragon. Par contre, voilà, la scène de fin... Oh, elle est incroyable, la pose de fin, elle est magnifique. Juste pour ça, je veux l'unité, puis surtout, l'unité est très très forte. On l'a vu durant le Revealing Stuff, ça a l'air assez balèze. Il nous le faut, il est beau, il est magnifique. Il y a moyen de faire de belles équipes en plus avec, donc on va tenter d'aller récupérer ce nouveau Goku SSJ3 aujourd'hui. Il y a un nouveau Tapion, effectivement, qui vient d'arriver. Oh, Tapion, à la rigueur, je m'en fous un petit peu, même si quand il meurt, il y a Hildegarde qui débarque, tout ça, c'est sympa, c'est mignon. Nous, c'est Goku qui nous intéresse, donc je vais skip, voilà, pour Tapion, on s'en fout un petit peu. Mais bon, je voulais revenir juste sur un détail, c'est que durant le Revealing Stuff, du coup, de cette deuxième partie du 4e anniversaire de Dragon Ball Legends, eh bien, comment expliquer que, en termes de contenu, sur DB Legends, là, c'est pas la folie, hein, surtout pour un anniversaire, on a connu beaucoup mieux, c'est vrai que c'est assez, assez vide, même si on peut récupérer des LF un petit peu partout, alors ça, c'est bien pour notamment les nouveaux joueurs, mais sinon, ouais, c'est un petit peu vide, et puis surtout, des Goku SSJ3, ces choses-là, je t'avoue que sur un anniversaire, autant Migaté, c'était la ultra hype, autant Goku SSJ3 et Tapion, peut-être un petit peu moins, surtout qu'il y a une animation un peu recyclée. Je sais que ça fait parler. Vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. En tout cas, nous, pour aujourd'hui, on part invoquer l'attaque du dragon. Évidemment, taux de sparking à 20%. Pouvoir Z doublé, donc ça fait toujours plaisir. Bon petit step up. Déjà, on va se faire un palier complet. On va voir un petit peu comment ça se passe. Et derrière, on avisera en conséquence. Sachant que j'ai 8700 cristaux du temps, donc c'est pas mal. J'ai pas mis d'argent. C'est encore ce que j'ai pu économiser par rapport au Migaté, vu que j'en avais fait deux steps sur ce portail-là. On a obtenu le Migaté en doublon grâce, du coup, au ticket. Donc on a eu vraiment beaucoup de chance pour le coup. D'ailleurs, vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, parce que là j'ai 3 médailles de côté. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de retaper le 500 et le 700? Donc ça fait 1200 de tirage. Est-ce qu'il faudrait que je le fasse ou pas pour obtenir les 5 et tenter un ticket encore une fois? Je sais pas, en fait j'ai pas envie de gaspiller 1200 en sachant que j'ai tout eu déjà, même si Vegeta j'ai pas beaucoup d'étoiles par exemple. Tout ça pour aller récupérer 2 médailles et du coup derrière un ticket qui a que 5% de chance de LF, même si j'ai eu 2 fois Goku Ultra Instinct comme ça, c'est très peu quand même. Je sais pas si ça vaut le coup, voilà, vous me direz dans les commentaires. Nous on revient ici à notre Goku SSJ3, point du dragon, Tapion derrière, et puis surtout, je crois qu'il y a des bonnes, il y a pas des bonnes unités qui reviennent dedans, il y a pas un truc, il y a quoi qui revient? Le Vegeta qui est de retour, on a qui? On a le Gohan, j'ai très peu d'étoiles, et puis surtout le Gohan il est quand même très très bon, donc s'il peut tomber ça serait cool. Le Goku 4, pff, autant te dire que je l'ai que 2 étoiles, mais les Team GT, je joue vraiment pas du tout. Lui, il est déjà Zenkai 6, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, lui, j'ai pas beaucoup d'étoiles. Lui, malheureusement, je l'ai toujours 3-4 étoiles, il veut pas tomber, cet enfoiré. Donc, s'il tombe par malheur, entre guillemets, bah pourquoi pas. Oh, Tapion, ils l'ont placé super loin là-bas. Ok, ils ont mis un nouveau Thalès, par contre, dans le portail, je suis en train de voir. Un nouveau couleur extrême aussi, pourquoi pas. Et puis surtout, on revient sur le Goku qui va être l'unité qu'on veut absolument aujourd'hui. Quant à nous, on va partir invoquer. Dans les commentaires, vous me direz, vous, ce que vous avez obtenu, si vous avez invoqué, combien de cristaux vous avez claqué, quelles unités vous avez obtenues. Et puis j'espère que si vous invoquez pendant cette vidéo ou après, je vous envoie un petit peu de luck avec mon doigt de la justice, mais juste un tout petit peu, parce que je vais garder pour moi d'abord, dans un premier temps, voir si je peux avoir un petit peu de chance. Alors ici, 3 personnages, 300 la multi. Allez, let's go, c'est parti. Première multi invocation, c'est maintenant ou jamais. Et imagine, on l'obtient direct sur la multi à 3, comme ça, 3 personnages. Ce qui serait n'importe quoi, ça serait oufissime. Hein. J'y crois pas du tout. Mais sait-on jamais? Imaginons. Ça serait un miracle. Maintenant. Ok, ça a l'air d'être une égalité ici. Il y avait 5 capsules en l'air. C'est un glissé rouge sous Super Saiyajin. Ça peut faire un sparking. Ça peut faire un sparking. Et ça va même faire un sparking. Puisque monsieur Frieza-sama, eh bien, du coup, il a fait sa crise. Voyons voir. Un sparking que j'ai déjà. Donc ça sent le caca. Ok, Kefla SSJ2. Pourquoi pas? Un deuxième sparking. Ok, alors par contre, multi A3 avec 2 sparkings dedans. Plus un extrême. C'est pas dégueu, même si c'est des unités que j'ai déjà, même si c'est des unités, bon, aujourd'hui, c'est OZEF sur 20, ça reste quand même des unités que, voilà, ça reste des sparkings, donc vas-y. Eh bien, écoute, allons-y, là, il n'y a pas réellement de promo, c'est un step, mais sans réellement de promo, si ce n'est qu'on obtient une petite médaille, mais sinon, c'est 500 pour 5 personnages. 3 capsules, pas de Super Saiyajin, Namek normal. Qu'est-ce qui se passe ici? Égalité, bon, ça se touche pas, ça s'esquive. C'est bleu, oh, bah, on va avoir moins de chance sur la multi, du coup, à 5 que la multi à 3. Ok, en plus, là, je pense que vraiment, on part sur un 0 sparking. Sait-on jamais, mais je pense qu'on part sur un 0 sparking. Extrême, que nous avons déjà, topo, pourquoi pas, ok, pourquoi pas. Ouais, pas d'extrême, pas de... Non,
Non, non, non, même pas de sparking, rien. Là, le taux 20%. Par contre, topo 3 étoiles en extrême, je récupère. 23% la défense physique et d'énergie de base des épisodes survie de l'univers et classe univers. Rivol, ok. C'est à partir du prochain palier où ça devient intéressant, puisque prochain palier, ça coûte 1000, mais c'est extrême ou plus garanti. Là, c'est 700. Mais qui sait, avec un petit peu de chance. John Kenpong, on y va, mon pote? Let's go! Allez, en ce moment, DB Legends qui est plutôt généreux avec moi. Donc, si ça pouvait continuer, ça serait top. Il y a 5 capsules. Il n'y a pas de Super Saiyajin. Comment ça rend ici? Comment ça rend? Ok, une esquive pour un lancer du dragon. Alors, peut-être que... Alors, ouais, Sparking Guarantee. Pas de Broly ou quoi que ce soit, mais Sparking Guarantee. Oh, ça explose au milieu pour Sparking Guarantee. Ah, let's go. Alors là, là, le fameux Goku SSJ3. Point du dragon, mon gars. Est-ce que ça peut pas nous annoncer justement ce nouveau Goku? Est-ce que le hasard, notre destinée n'était pas d'avoir une animation Goku SSJ3 pour l'obtenir? Ça serait incroyable, vraiment, ça serait oufissime si ça se passe. Voyons voir. Et on va commencer avec un Goku. Oh, il date celui-là en plus. Hein. Il date, hein, ce Goku, il date. J'espère que c'est pas que ça. Normalement, non. Si. J'ai eu peur, j'ai eu un écran noir, j'ai cru que ça avait coupé en fait, c'est pour ça que mon cœur il s'est arrêté. Mais ok, non, en fait il y avait que lui, je me suis dit il y aura peut-être un deuxième sparking ou un truc là-dedans. Eh bien, pas du tout, RIP, bah non, c'était pour Goku le Goku SSJ3. Je suis un petit peu tristouné là, je t'avoue que j'aurais tellement voulu, juste pour la beauté du geste, que t'as l'animation Goku SSJ3, tu chopes le Goku SSJ3 derrière, allez, merci, au revoir, et à bientôt, quoi. Bon, malheureusement, c'est pas le cas, faudra se contenter de ce Goku. Maintenant, on va passer à la quatrième multi-invocation. Bon, là, on rigole plus, extrême ou plus garanti, c'est à partir de là où ça ne rigole plus, les trois prochaines multi, c'est 10 tirages, du coup, donc là, c'est extrême ou plus garanti, la prochaine, c'est un classique à 1000, et ensuite, on a la multi gratuite. Là, on ne rigole plus, les trois premières, c'était l'entrée, on va dire. Là, on est vraiment sur le plat de consistance. Il va falloir donner le max. Et j'espère ne pas être aussi froissé sur ces prochaines multi-invocations que mon t-shirt. Alors, please, un petit peu de chance. Doigt de la justice. On y va, maintenant. Une animation. Un Broly qui débarque. S'il vous plaît, une animation à lève garantie. I need you. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 capsules. Oh, oh, wow. Oui, ça j'aime beaucoup, ça. Ça, j'aime beaucoup. Monsieur Trunks. Ah, oh, ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Cette animation avec Trunks. Ça faisait super longtemps. Ok, bon. Bon, déjà, on sait qu'on n'aura pas que des extrêmes. Et voilà, et nous ne l'avons pas. Est-ce que... Non, tu pouvais pas nous mettre l'animation à l'F. Tapion. Bon, allez, je m'en fous. Nouvelle unité, tapion. On prend quand même. Mais je voulais tellement voir. L'animation. Pfiouf. Tu sais, le légende, le truc à l'F, là, l'écran noir qui brille et tout. Merde, fait chier, quoi. Bon, tant pis, allez, tapion. Mais là, il a gâché ma joie un petit peu. Mais c'est pas terminé. Après, tapion, je prends quand même. Hein. En soi, l'unité est quand même bonne. Mais c'est vrai que moi, je suis là pour Goku essentiellement, quoi. Allez, est-ce qu'il peut pas y avoir un miracle, en vrai? Ok. Waouh, Piccolo Daimao. Il date, celui-là. Il date. Trunks petit. Non, bon, on aura deux sparkings, je pense, dans la multi. Ouais, ça va s'arrêter sur deux sparkings, et notamment ce tapion. Ah, trois sparkings, quand même, j'ai rien dit. Et c'est une Kale Berserker. Oh, quatre sparkings, ok. Waouh, par contre, ça fait beaucoup de sparkings. Mais ça fait beaucoup de sparkings. Ouais, aujourd'hui, ça vaut pas un coup, quoi. Donc, bon. Ouais. Il a pas eu un Zenkai, lui, il y a pas longtemps. Je crois qu'il est Zenkai, hein, d'ailleurs. Tapion, du coup, ça le fait passer combien? Ça le fait passer 3 étoiles, ok. Ouais, bon, je suis content, j'ai quand même l'unité, vas-y, je vais pas râler, je suis content, j'ai l'unité, ça fait plaisir, mais mon Goku, bon, il me reste encore deux multi-invocations pour l'obtenir, sachant que là, c'est payant, bon, là, il n'y a pas de extrême ou plus garantie, c'est multi-classique, et ensuite, on aura la gratuite. Maintenant, on rigole plus, on y va, multi-payante, 1000, ça là, coûte cher, hein. Ça là, fait très mal, alors, please. Que je vous vole un petit peu la chance, parmi tous mes abonnés, tous ceux qui regarderont cette vidéo, au pire, même qui sont pas abonnés, qui ont beaucoup de luck, vole-leur la chance, c'est-à-dire, maintenant, allez, maintenant, vole-leur la chance. Et, comme quoi, attends, là, on discute, parce qu'on est dans le glacier, Taiyo Pai Pai qui est passé par là, égalité, est-ce qu'il peut pas y avoir le fa... Oh là, c'est bleu, c'est bizarre, oh, ok, téléportation, non. Alors, l'ATP...
Ok, fais chier. Oh, quoique, ah, c'est un lève que j'ai déjà. Oh, Begoan, let's go, j'ai dit qu'au début, je le voulais en plus. Let's go, je prends, ok, j'avais pas beaucoup d'étoiles. Je l'ai qu'à 3 étoiles, le Gohan. Donc, vas-y, on récupère des PZ dessus. Bah, ça fait plaisir, ça fait grave plaisir. Ok, Gohan, en plus un LF. Allez, let's go, c'est peut-être pas le Goku SSJ3, mais ça reste un petit LF. Un petit Gohan, avec très peu d'étoiles. Donc, du coup, là, on va pouvoir commencer à augmenter. Je crois qu'il va passer 4-5 étoiles. Faudrait aller chercher la 6ème de préférence, mais c'est pas mal, ok. Freezer, celui qui se transforme en golden, c'est le rouge ça. C'est le rouge. Ok, est-ce qu'il peut y avoir autre chose ou pas dans cette multi-invocation? Est-ce qu'il peut y avoir encore quelque chose d'extraordinaire? Oh, deux fois le même... c'était le dernier. Non! On aura eu un LF et il passera 5 étoiles. Alors, il nous manque la 6ème. Alors après, peut-être qu'on peut lui donner des PZ, mais... ouais, bon, dommage. Et j'ai vu le truc LF... Mais bon, il y avait le passé en haut, donc ça veut dire que c'était un LF que j'avais déjà. Mais je suis deck parce que Taiyo Pai Pai, Glacier, potentiellement peut-être on aurait pu s'assurer une animation Broly ou quoi, en vous volant la chance. En tout cas, j'ai essayé de vous voler la chance, et tout ce que je sais, c'est que j'ai obtenu un LF. Jusqu'ici, j'en avais pas, donc je pense qu'il va falloir que j'agisse de la sorte un peu plus régulièrement, plus fréquemment. Donc écoutez, pour la dernière multi-invocation gratuite, je vais continuer d'aller voler votre chance. Pour ceux qui ont, tous ceux qui ont drop comme des porcs là, allez, envoyez le reste de luck, c'est maintenant le Goku, sur la gratuite. Allez, une animation de ouf. Taiyo Pai Pai encore, qui est encore là, mais par contre, ok, Super Saiyajin direct. Taiyo Pai Pai, Super Saiyajin direct. Oh, on se fait casser la gueule. Bon, ça c'est un Vegeta qui débarque ça, non? C'est quoi? Ok. Je sens le Vegeta débarquer, non? C'est pas, ça me paraît bizarre. Quoique, ça va pousser. Vegeta, logiquement. Ouais, Vegeta c'était sûr, ok. Bon, c'est pas la meilleure des animations, on sait que voilà, on aura du sparking quoi qu'il arrive, mais maintenant, il va falloir un grand miracle, il va falloir un grand miracle ici. Allez, que le miracle soit, que le miracle fût, Jaco, Zarbon, premier sparking, oh Gohan, ah, après la carte est belle, franchement la carte, je la trouve magnifique, mais c'est pas ce qu'on était venu chercher, alors j'espère que ça sera pas que pour lui, même s'il y a des fortes chances. Ouais, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, cette histoire. Le Gogeta, ok, qui date. Ça sent pas bon. Ah, je crois que c'est le dernier, lui, non? 3, 2, 1. C'était le dernier. Aïe! Oh, la claque. Oh, la froissure, comme le t-shirt, là. Là, on est pareil, aujourd'hui. Alors, c'est pas terminé, totalement. Ne quittez pas, parce que... Il y a encore le ticket. On sait que le ticket... Il peut faire des miracles. On le sait parce que j'ai eu un miracle qui s'est produit sur le portail de Migaté. Deux fois avec les tickets, je les drop. Donc, peut-être que... Ouh, Sparking garanti. Juste, s'il vous plaît, une animation LF garantie. Et on n'en parle plus. Allez, let's go! Please! Peut-on rééditer l'exploit? Est-ce que c'est notre destinée ou pas? 3 capsules, Namek classique, Patsupa Saiyajin. Ça sent la vieille animation, ça. Oh, quoique, on esquive, lancer du dragon réussi. Alors, est-ce que c'est un Kamehameha, du coup, il fait une crise cardiaque? Ou est-ce que c'est un miracle? Ah, c'est la crise cardiaque, ok, c'est la crise cardiaque, donc c'est un sparking classique, ça peut potentiellement être un LF, mais bon, pas du tout. On va voir. Eh ben, pas du tout, ça sera un Krilin qui est bien dégueulasse en plus. Enfin, qui est bien dégueulasse. Oui, il est vieux celui-là. Il date de la première année. Il est limité du jeu, je crois. Je crois qu'il date de la première année, donc... ouais, un peu déçu. Bon, en vrai, je peux refaire un step. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup, en vrai, vraiment. Parce que l'unité me hype de ouf. Enfin, l'unité, je la kiffe. Mais est-ce que ça vaut réellement le coup de réinvoquer sur ce portail? Je sais pas. Vous savez quoi? Je vais pas m'avancer de suite, parce qu'il me reste pas beaucoup non plus, il me reste que 5000 cristaux, alors j'ai encore beaucoup de cristaux à récupérer de côté, mais vous allez me dire dans les commentaires, on va terminer pour aujourd'hui par ici, je pense, et dans les commentaires, vous allez me dire si vous êtes chaud ou pas pour une revanche invocation sur ce portail, est-ce que ça vaut le coup ou pas de retaper un step, sachant qu'il n'y a rien de spécialement garanti, quoi. Mais est-ce que ça vaut le coup ou pas? Oui, je l'ai, mais c'est Golden Freezer que j'ai pas sur ce portail. Là, je fais les petites singles à chaque fois. Ça veut pas tomber. J'ai eu Whis une fois, donc Whis, je l'ai 2-3 étoiles. Mais j'ai pas le Freezer que je veux absolument. Et lui, il a ce Goku Kaioken aussi. J'ai très très peu d'étoiles. Donc si on pouvait bien le booster, là, ça serait pas mal. Ouais, non, pour aujourd'hui, on va pas être gourmand. Ouais. C'est vrai que j'ai grave envie de réinvoquer, mais faut écouter son cœur. Mais faut écouter également sa raison.
et la raison me retient un petit peu, donc voilà, je vous laisse décider, je vous laisse me convaincre. C'est pas décider, vous allez essayer de me convaincre dans les commentaires de savoir s'il faut réinvoquer ou pas sur ce portail. Est-ce que ça vaut le coup de refaire un step ou pas, sachant que ça va me coûter approximativement 4000 et des poussières en cristaux, sachant que j'en ai 5100 et quelques. Alors après, il y en a pas mal avec les petits events qui est à côté, par-ci par-là, mais il n'y en a pas non plus des masses parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements, parce que comme on l'a dit, la deuxième partie des 4 ans de l'anniversaire de DB Legends, eh bien c'est un peu le désert, tout comme la première partie en termes d'événements, c'était pas non plus exceptionnel, mais la deuxième partie particulièrement, waouh, c'est chaud. En tout cas, moi j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça fera toujours plaisir. Pensez à vous abonner parce que là, ça y est, on est vraiment tout proche des 300 000 abonnés. Il nous reste moins de 1000 abonnés à récupérer, donc n'hésitez pas. Je crois qu'on est quasi, il nous reste 500 abonnés à récupérer, donc voilà, je compte sur vous pour aller chercher et péter ce palier des 300 000 abonnés qu'on essaye de récupérer depuis maintenant de longs mois en arrière. Et puis sinon, n'hésitez pas à passer en live sur Twitch. On est en live tous les jours. Lilian 31 sur Twitch, ou sinon vous avez les liens dans la description. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour, à checker tous les liens. Il y a mon TikTok également, il y a mon Instagram. Bref, si vous avez envie de discuter, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, si vous invoquez, bonne chance dans vos invocations. Si vous avez invoqué, j'espère que la luck aura été avec vous, vous me direz dans les commentaires. Et puis moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Amusez-vous bien comme d'habitude, jouez bien, profitez bien, invoquez bien, farmez bien. Et on se retrouve très rapidement. Et sur ce, je terminerai avec un gros point du dragon dans vos têtes. Ciao les gens !